Le point fort de la nouvelle série Canal, c'est d'abord son pitch. Bon, ok, il s'agit d'un remake de la série danoise Braun, mais c'est quand même vachement bien trouvé. Des policiers découvrent le cadavre sectionné d'une députée française déposée pile poil sur la frontière franco-britannique dans le tunnel sous la Manche. Rosebif contre mangeur de grenouilles, les policiers anglais et français se tirent la couverture pour savoir qui va se charger de l'enquête. Une collaboration laborieuse s'opère alors pour démasquer ce meurtrier stratège. La bonne petite surprise que voilà, le tunnel, The Tunnel en anglais. Si vous avez aimé Millennium, cette série est faite pour vous. Beaucoup de points communs. Un mystérieux tueur aux motivations mystérieuses. Un couple intéressant, ubuesque, composé d'un flic anglais, d'une flic française. Mais pas que. Un flic vraiment très sympathique, puisque normal, etc., donc auquel on peut s'assimiler. Et une flic française très très insolite, qui tire la gueule tout le temps, mais bizarrement s'attache. On retrouve avec plaisir l'acteur Stephen Dillon, alias Stannis Baratheon dans Game of Thrones. Il y a d'ailleurs un autre acteur de la série, mais je vous laisse deviner qui c'est. Indice, il s'agit d'un Stark. Il joue à merveille le rôle du bon flic à l'humour so British qui tente en vain de décoincer sa partenaire d'enquête française, Clémence Poésy, qui tire la tronche H24. On a très rapidement envie de lui donner une bonne paire de gifles et son jeu manque de nuances, mais le contraste entre la française psychorigide ultra stressée et l'anglais flegmatique fonctionne bien et fonctionne encore mieux en version originale parce que le doublage français est vraiment raté. Bonne nouvelle, c'est Dominique Moll à la réalisation, le metteur en scène de Harry, un ami qui vous veut du bien, film mémorable et à l'ambiance particulière. Et bien dans cette série, l'ambiance est identique, lugubre, humide, on a l'impression de refaire un voyage vers l'Angleterre, comme ceux qu'on faisait en quatrième, etc. Sur ce côté-là, c'est super réussi. Cette ambiance de plus en plus pesante s'installe progressivement au fil du pilote, dans la grisaille de Calais, la pluie battante d'Angleterre, jusqu'à nous mettre dans un état de tension terrible à quelques secondes de la fin de l'épisode. Un peu façon 24 heures chrono. Un autre aspect intéressant, c'est la remise au goût du jour du thème du corbeau. Le tueur utilise tous les moyens technologiques pour se moquer de la police, c'est ça qui est intéressant. Internet, YouTube, etc. Donc le fait qu'il se moque de la police était vraiment un axe de développement très sympathique. Verdict, moi je mate cette série. D'ailleurs, j'ai pas regardé que le premier épisode, j'ai regardé le 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on voit que le duo Clémence Poésy flic anglais fonctionne vraiment à merveille. Et la perversité du tueur va crescendo, vraiment à regarder. Moi je mate rien que pour voir si Clémence Poésy va esquisser l'ombre d'un sourire au moins une fois avant la fin de cette saison.